D'accord. Je n'ai pas encore fait ce Facebook-là. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro, j'allais dire le troisième numéro de Lumière Internationale, une émission qui vous éclaircira, qui décrypte un peu l'actualité sociopolitique des organisations internationales. Vous y êtes, nous y sommes. Aujourd'hui, spécialement, le thème à débattre est le suivant. Les États-Unis d'Afrique est-il possible avant la fin du 21e siècle? Une grande question qui se pose parce qu'on a eu du tort à travers à retrouver le classement, bien sûr, le classement, j'allais dire, bien sûr, des organisations qui se forment de gauche à droite et qui visent une union des États-Unis d'Afrique comme les États-Unis d'Amérique et également d'autres continents. Mais aujourd'hui, la grande question qui se pose, quand on essaie quand même de déléguer ou soit de désigner un leader qui est un président quelconque d'un pays d'Afrique qui aimerait mettre en vogue maintenant cette idée, il faut voir tout simplement dans un moment donné, il est monté au coup d'État et on lui enlève la vie. Alors aujourd'hui, la question se pose. Malgré que les pays africains ne sont pas disparus, les présidents africains sont toujours sur place, malgré qu'il y a quand même d'autres qui partent à mort, mais finalement, il y a d'autres qui les remplacent. La grande question se pose aujourd'hui, si à savoir les États-Unis d'Afrique, que prône l'Union africaine, serait-il possible avant la fin du 21e siècle? Mesdames et messieurs, tel est le thème à débattre aujourd'hui. Je reçois pour vous le professeur Issifou, qui est en direct depuis les États-Unis, et également Marcel Codier, il est également en direct depuis Irlande. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, Gabriel Abdena. Vous êtes professeur à l'Université de la Caroline du Nord, maître conférencier. Vous êtes spécialiste également dans la recherche, bien sûr, des informations politiques des organisations internationales. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel, et bonsoir et Malik, le réalisateur, et bonsoir professeur Issifou. Et bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes activiste, membre de l'Amnesty International, résident en Irlande. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour éclaircir un peu la lanterne, éclaircir les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, que je remercie au passage d'être branché. Alors, la question qui se pose aujourd'hui pour ce qui concerne les organisations internationales, principalement l'Union africaine. Nous avons vu la veille de la CEDEAO. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont également leur organisation. Les pays de l'Afrique de l'Est, ils ont également leur organisation. Les pays de l'Afrique centrale, ils ont aussi leur organisation. Mais tous ces pays-là, leurs leaders, en l'occurrence, prônent l'Union africaine, le soi-disant les États-Unis d'Afrique. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui? La question, avant de répondre à ces questions-là, je vous fais savoir tout simplement que Mouammar Kadhafi avait voulu valoriser les idéaux, bien sûr, de l'Union africaine, avait voulu valoriser les acteurs, les facteurs plutôt de l'Union africaine, les conditions qui réunissent, bien sûr, pour qu'on soit quand même en une unité et imiter les autres continents, à l'instar les États-Unis d'Amérique. Mais Mouammar Kadhafi a été assassiné et il a été enlevé du monde entier. Aujourd'hui, père à son âme, il est au-delà de la vie. Alors, pour essayer d'imbiber un peu et comprendre un peu les facteurs qui sont nécessaires pour essayer de faire asseoir une unité, soi-disant les États-Unis d'Afrique aujourd'hui, je veux faire écouter les propos
d'un leader, il est compatriote africain, qui donne quand même les bases fondamentales nécessaires pour les États-Unis de l'Afrique. Suivons un peu le reportage. Afrique nationale. Je résume. 1. Il faut une armée continentale avec un commandant, une chaîne de commandement unique pour empêcher les bases militaires étrangères et les rébellions. Il faut une banque centrale panafricaine pour battre une monnaie unique et empêcher les fluctuations des devises et la ponction des richesses de l'Afrique par des puissances extra-africaines. Ouais. 3. Il faut une université panafricaine pour permettre à tous les Africains d'avoir un enseignement basé sur la défense des intérêts des États-Unis d'Afrique. 3. Il faut une cour constitutionnelle juridique panafricaine pour empêcher la France de donner le droit européen pour régler les problèmes africains. Et il faut une cour pénale panafricaine. Ils ont créé une cour pénale internationale où ils envoient maintenant les souverainistes. Dernier point. Il faut que les Africains aient ce qu'on appelle le Congrès mondial panafricain. Et ce Congrès mondial panafricain doit unir les Africains du continent et les Afro-descendants. Tous les Africains qui sont aux États-Unis, en Guadeloupe, partout, ils doivent avoir des terres en Afrique. Ils doivent avoir une économie. Ils doivent investir dans l'économie africaine pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est ce projet que fait actuellement le Ghana. On appelle ça Back to Africa Project et ça remonte à Marcus Garvey au moins. Donc nous disons que Awa Keïta était d'accord avec tout ça. Et le président de son pays a dit que lui il est d'accord pour abandonner la souveraineté de son pays. Mais Awa Keïta était dans la salle. Vous voyez? Qui a dit encore qu'il est d'accord? C'est Koutouré. On peut dire tout ce qu'on veut de ce Koutouré. C'est Koutouré a dit qu'il est d'accord pour les États-Unis d'Afrique. C'est ça, c'est là où on doit juger quelqu'un. Parce qu'on nous dit que quelqu'un est dictateur. Si tu es dictateur et que tu veux les États-Unis d'Afrique, tu es un bon dictateur pour Covid. J'appelle ça un bénévolent dictateur. C'est-à-dire un dictateur bienfaiteur pour le peuple africain. Nous n'avons pas besoin de démocrates faiblards qui acceptent des bases militaires étrangères en Afrique. On n'a pas besoin de cela. Donc, la question que nous posons est celle-ci. Pourquoi ce programme de Nkrumah n'a pas été appliqué 50 ans après? Pourquoi l'Afrique, aujourd'hui, en est au point zéro, alors que toutes les solutions ont été trouvées par des Africains du temps de Garvey? Voici ma réponse. C'est parce que il existe des ennemis extérieurs qui sont alliés et coalisés avec des ennemis intérieurs. Ces ennemis intérieurs, ce sont les gens qui dirigent actuellement l'Afrique. Voilà les propos qui ont essayé d'aménager un peu les bases fondamentales, les bases fondamentales, j'allais dire bien sûr, de l'Union africaine, soit les États-Unis de l'Afrique. Mais aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. Il a cité quand même beaucoup de facteurs, mais nous allons essayer d'entamer ces points-là un à un, pour voir comment est-ce que ce serait possible, comment est-ce, dans quelles conditions nous allons essayer de mettre un Afrique unie. Alors, au premier abord, Marcel Cody, vous venez de suivre le compatriote africain qui aimerait garder plutôt l'anonymat. Il a cité tout simplement qu'il fallait qu'on ait une armée continentale qui va essayer de défendre sur le plan sécuritaire les causes de l'Afrique tout entière. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, merci Gabriel. Une armée, moi je ne suis pas dans son, je ne sais pas, une armée continentale. Quand nous, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut réduire l'armée, parce que nous, en Afrique, on n'a pas besoin de l'armée. Une armée continentale, pourquoi faire? Pour faire la guerre? Oui, moi, l'armée, là, les corps abeilles, on sait combien ça coûte pour les États. On sait comment c'est les logiques, comment est-ce que l'armée, disons, prenons les gens comme l'armée, les FAD du Togo, combien de fois ça coûte au budget national. Mais on pouvait l'investir dans le tout rural, dans le développement rural et dans l'agriculture. Moi, c'est du gâchis, l'armée, parce que du moment, il faut la paix en Afrique.
si on a la paix. Non, oui, Marcel, tout simplement, on aimerait, pratiquement, on aimerait imiter un peu les autres continents dans le monde entier, à l'instar des États-Unis, qui ont une armée soviétique bien déterminée aujourd'hui, et également d'autres continents également qui sont quand même dans le même sillage. Oui. Alors, oui, si aujourd'hui l'Afrique ne dispose pas de l'armée, vous croyez que ça peut aller? Mais aux États-Unis, non, tu vois, ils sont dans le fédéralisme, ça c'est autre chose. Oui, ils ont l'armée, c'est eux aujourd'hui qui interviennent partout en Syrie, partout dans les grandes villes. Ce sont eux, parce qu'ils ont les moyens sophistiqués. C'est pour ça que souvent les faits appels. En Syrie, qui a été? Vous avez vu l'armée africaine dedans? Parce que nous sommes incapables. Notre armée, c'est pour protéger les chefs d'État, c'est fini. Il n'y a que ça, pour réprimer sa propre population. Combien de l'armée américaine dont on parlait, combien de fois ils ont réprimé? À part peut-être de ces petits délinquants policiers qui tirent sur les Noirs. Combien vous avez vu l'armée américaine tirer sur sa propre population? Le cas récent est là, de la Guinée, où on a réprimé toute la population. Notre armée est là pour réprimer. Moi, je ne vois pas la nécessité de l'armée. Je préfère qu'on ait peut-être des grandes sociétés, des grandes compagnies, de fructifier que d'avoir une armée. Moi, c'est du gâchis, c'est de l'argent jeté dans l'eau. Pourquoi faire l'armée? Faire l'armée, pourquoi faire? D'accord. Vous voulez terminer? On dit de réunir l'Afrique et que nous ayons une seule voix, une monnaie unique. Ou bien nous avons une économie générale, nous avons un truc là, et que nous éliminons nos frontières là, qui sont des frontières de commercialisation, où on ne comprend pas si ça passe à la tête à un chef d'État, il ferme la frontière pour les horizons parce qu'il ne s'en les prépare. Tout cela, ça doit finir là. C'est ça le truc des Africains. Chacun pour soi, Dieu le monde. Comment est-ce que vous voulez que... Déjà, il y a des chefs déjà qui s'enrichissent dans cette affaire de l'armée. Alors, merci. On reviendra tout de suite à vous. Professeur, vous pensez que les États-Unis d'Afrique aujourd'hui pourraient être possibles sans l'armée? Bon, je vais prendre le contre-pied de mon ami Marcel. Tout simplement pour dire que il ne faudrait pas qu'on oublie ce qui a favorisé la colonisation de tout un continent. Dans le passé, si l'Afrique a été colonisée par ces voyous-là, c'est parce que quelque part militairement ils étaient supérieurs. Les Africains n'ont pas accepté la colonisation des Grecs. Il y a eu des guerres. Vous rappelez la guerre que Samori Touré a livrée à ces gens-là dans les falaises-là. Vous vous souvenez de Béhanjin? Si on avait déjà des armées bien, c'est pas formé, l'Afrique n'allait pas tomber comme ça si bas. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous parlons de grands ensembles. Il y a l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui est là, qui permet aux Européens et aux Américains de mettre leurs armées ensemble pour défendre ou bien pour repousser quelque attaque que ce soit. Oui. Et la Russie est là, avec son armée, tout ça là. La Chine est là. Vous pensez que c'est pour rien que tout le monde a organisé un sommet Afrique-Chine, sommet Japon-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Europe. Ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Du moment où nous allons parler des États-Unis d'Afrique, nous mettons déjà en danger par rapport à ces gens-là. Ils savent que l'avenir du monde se trouve en Afrique. C'est pour ça que tout le monde veut venir. L'Afrique a des ressources encore vierges, non exploitées. Et ces ratages-là, ils en veulent, ils veulent, ils sont en train d'utiliser leurs armes pour venir nous attaquer. Alors si nous voulons construire une union, elle doit être basée sur notre capacité de nous défendre en cas d'invasion. Et je sais que ces rapaces ne vont pas hésiter à assaillir l'Afrique, histoire, n'est-ce pas, de lui dérober de ses ressources, de ses richesses, comment l'appelle-t-on, naturelles. Alors, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Niger comme au Mali. On dit qu'il y a des terroristes et que les armées de ce pays-là ne sont pas capables de les défendre. Et c'est celui-là qui a créé les terroristes qui vient maintenant
défendre ce pays-là. C'est-à-dire que le voleur, on lui remet la clé d'aller surveiller la maison. C'est ce qui se passe. Si le Niger avait une armée forte, le Niger dirait non, on n'en a pas besoin, nous allons le faire. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats au Nigeria pour combattre Boko Haram? Donc, Marcel, moi, je comprends ce que vous dites. Je sais bien que l'armée se dirige du bord en Afrique, tout ça là. Mais pour une Union africaine, pour des États-Unis d'Afrique viables, il nous faut une force capable de défendre ces États-Unis-là. Et si on ne peut pas le faire, on sera fragile. Et ces gens-là vont continuer par nous assaillir de tous côtés. Ils parlent d'être ensemble, puisqu'ils ont toute la peau, ils ont tous la peau blanche. Ils vont se livrer et ils vont guerre contre nous pour pouvoir dire qu'ils vont se partager les gâteaux en 85 à Berlin. On ne peut plus être, c'est pas, on ne peut plus attendre, il faut nous préparer. Et nous devons être forts sur le plan sécuritaire avant de pouvoir vraiment penser à consolider cette union que nous voulons bâtir. C'est très important pour moi, parce que moi je sais que les gens ont envie de recoloniser l'Afrique. Ça, ils le feront si on ne peut pas nous défendre. Je m'arrête là pour le moment. Oui, professeur, oui, vous avez dit tout à l'heure, je dis que l'armée budgétivore, parce que nous savons combien coûtent nos armées en Afrique. Voilà les États-Unis dont on parle aujourd'hui. Ils vendent leur armée aux Nations Unies. Ils vendent, ce qui fait que quand ils se déplacent, c'est aux frais des Nations Unies. Et ce n'est pas l'argent de l'armée américaine. Quand ils vont pour des interventions là, au nom de la résolution des Nations Unies, c'est les Nations Unies qui paient l'addition. Et chez nous en Afrique, vous voyez, les armes qui vont là, ce sont les armes que les Américains même ont fabriquées et qui veulent aller essayer sur les terrains. Et ils le revendent ça aux Nations Unies. Et vous en Afrique, vous payez les armes en Ukraine, dans des pays, soit en France. Vous irez où, dans quel territoire? Allez l'essayer. D'abord, vous n'êtes pas compétent. Toutes les histoires sont parties. Les officiers qui vendent du carburant, les gens qui sont devenus des officiers, des businessmen, vous voulez que ces gens-là aillent faire quoi? Où? Intervenir dans quel pays? Aller en Asie ou bien quoi? Aller intervenir? D'abord, nous-mêmes, notre armée n'est pas formée pédagogiquement. Vous voyez? Ils ne sont pas formés pédagogiquement. Je prends l'exemple de notre pays, le Togo. Parce que quelqu'un, un lutteur, il sort d'une lutte des Valas, on le met, on l'appuie. Oui, c'est vrai, il faut comprendre la majorité. Les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne savent même pas ce qui c'est que l'arme. Pour eux, c'est tirer sur la population. Il faut les tuer, il faut les balayer, il faut les mater. C'est le mot qu'ils utilisent. Mais comment est-ce qu'on peut conduire à amener ces gens pour des interventions? Ou des conflits et trucs là, internationaux. C'est impossible. C'est pour ça que moi, je dis que moi, l'armée africaine allait intervenir ou bien allait former. Oui, les former, mais pourquoi ça va donner? Ils sont capables qu'on les vende aux Nations Unies pour aller sur le terrain. Apparemment, certains qu'on utilise aujourd'hui au Mali, on les utilise comme des cobayes. C'est ce que je vois. C'est parce que c'est eux qu'on envoie. Les gens savent que là où les djihadistes ou les rebelles sont en train de les attaquer là. Mais ce sont les où vous n'avez pas vu. Les blancs ne sont pas là-bas. 49 morts ici, 48 morts. Comment est-ce que vous êtes des gens, vous savez que vous êtes dans un terrain difficile, délicat. Vous n'avez pas vos doigts braqués sur la gâchette. Vous laissez bousiller 49 morts, 37 morts ici par-ci. Moi, je pense que c'est peut-être. Et toi, mais tu vois souvent notre armée, comment est-ce qu'ils passent, ils sont à la garde. Vois le petit Américain qui est à la garde, comment il surveille tout en même temps. Mais notre armée, il passe tout, quand tu vois dans des camps même, tu vois les gens, ils s'assoient sur le banc, ils dorment sur le banc. Et quand on attaque, il ne peut pas défendre. Voilà souvent ce qu'ils font sur les terrains. Pourquoi il y a pas beaucoup de soldats au Burkina, au Mali? C'est pour cela que moi, je vois que nos armées, là, vraiment, ils sont incapables. Ce n'est plus la peine de les envoyer. Vaut mieux de les mettre dans l'agriculture, dans les histoires, développer. L'armée, là, moi, j'aurais été un président. Notre armée pléthorique, dont on parle 10 millions, 15, 20 millions, là. Mais on va leur donner de la terre à les cultiver. Ce serait rentable pour le pays. Nous allons vendre au moins les graines. Ou bien l'agriculture.
Mais les gens sont frais de l'État. Ils mangent matin, salarié, matin, midi, soir. Ils ne font rien. Et vous voulez que ces gens-là aillent, qu'on fasse une armée africaine? Je suis désolé, monsieur le professeur. Je suis désolé. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, ma soeur, mais je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Vous voulez que l'armée aille cultiver? Non. Et moi, je pense que si on oublie les défis sécuritaires entre aujourd'hui et on tient ce langage, on ne voit pas le danger de ce qui se passe. Si vous me parlez de la mauvaise formation, je suis d'accord. Mais si vous me proposez qu'il va falloir les former pour qu'ils puissent faire face à des nouveaux défis, je suis d'accord. Mais quand vous me dites qu'il faut les reverser pour cultiver... Non. Chaque groupe dans la société a son temps. La terre est pour les agriculteurs et les paysans. Ils vont labourer. La terre pour défendre la nation. Et les fonctionnaires sont là pour avancer la cause. C'est comme ça. Nous n'allons pas nous dérober à cet exercice. Mais ce que moi j'ai dit, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes à corriger dans les armées africaines. Mais nous parlons d'une armée de l'Union africaine ou bien des États-Unis d'Afrique. Je pense que vous avez réduit cela à l'armée togolaise. Non, nous parlons ici d'une armée que l'Afrique mettra sur pied, que l'Afrique va gérer. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des armées, qui sont des armées qui performantes, exemplaires. Il ne faut pas oublier ça. Et nous allons nous appuyer sur ces armées qui travaillent déjà, qui ont déjà fait leur preuve pour former les autres armées qui traînent encore. Par exemple, quand tu regardes l'armée togolaise, ce n'est pas qu'il n'y a pas, ce n'est pas qu'on n'a pas de gens capables, intelligents, et puis vraiment, je ne sais pas, des talents dans l'armée. Il y en a plein, mais c'est l'usage qu'on en fait. C'est ça le problème. C'est l'instrumentalisation de cette armée-là par le régime, sinon... Par rapport à ça, moi, je dis que il faut chercher la cause de ce qui se passe chez nous. Et ça n'a rien à voir avec leur volonté vraiment, ou bien bon, leur capacité de comprendre leur mission, eux, de l'assumer. Mais au Togo, on l'a instrumentalisé du point où les gens n'ont plus envie de parler d'elle. Sinon, c'est une armée vraiment compétente, mais elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle à cause de ce régime qui veut coûte que coûte, n'est-ce pas, utiliser cette armée-là contre son peuple. C'est ce que nous sommes en train de rejeter. Oui, allez-y, Gabriel. Oui, professeur, il est vrai que tous ces points-là, ces éclaircissements sont évidents aujourd'hui, mais on ne peut pas essayer de s'en passer. Maintenant, comment faire pour essayer de conscientiser l'armée? Puis ce facteur dont a parlé le compatriote africain est tellement fondamental. Donc, on ne peut pas quand même avoir les États-Unis d'Afrique sans avoir une armée harmonisée, une armée consciente qui essaie de prendre quand même les besoins de la population africaine en vogue. Donc, de ce côté-là, automatiquement, l'armée, pour être conscientisée, pour essayer de le former et qu'elle sache que voilà, son devoir, c'est de faire sauvegarder surtout d'abord les Africains. Il va falloir que l'économie de base africaine soit quand même une économie digne de ce nom. Je fêterai maintenant au franc CFA, parce que le confrère compatriote africain a parlé, bien sûr, concernant le franc CFA. C'est de là où il a essayé de toucher comme point fondamental. Il dit il va falloir qu'il y ait quand même une banque centrale panafricaine. Alors, la banque centrale panafricaine pourrait être le cas, ça peut être avoir sa papabilité si le franc, la monnaie ECO, la nouvelle monnaie qui est en vogue aujourd'hui, qui sera utilisable d'ici 2020, n'est pas utilisable. Ou soit, on peut se focaliser sur le franc CFA avec cette banque panafricaine-là. Voilà. Dans ce côté.
Oui, je vous suis, Gabriel. Moi, si vous parlez de l'argent, la monnaie unique, oui, c'est bien, l'argent unique. Je te fais savoir que la fois dernière, il y avait un truc qui a circulé sur les réseaux sociaux. On a parlé de la diaspora, l'état de la diaspora. Quand la première, le monsieur s'est réuni la fois dernière, ce n'est pas l'Union africaine, là, qui a envoyé des choses. Chez moi. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait envoyé ce dernier-là, des gens aller saboter la conférence de presse. Ce sont les gens de l'unité africaine, là, l'Union africaine, parce qu'ils n'en veulent pas. Parce qu'ils savent que des idées que ces gens de la diaspora, là, vont se réunir. La banque unique, ils ont voulu créer une banque unique. Ils vont l'échange de la diaspora qui va apporter à l'Afrique. Mais comme les chefs d'État savent que ce sont des... Moi, j'ai aimé cette idée. Et ça peut nous aider à développer l'Afrique. Mais comme ils n'ont pas mangé, les chefs d'État n'ont pas, ce n'est pas eux les concepteurs, ils ont envoyé des gens pour aller saboter. Voilà, c'est ça, nous, les Africains. Ça aurait été un pays américain qui avait créé ça, ou bien un pays français. On allait voir, nous rassembler. Et voilà, le petit russe qui les appelle pour aller leur vendre les armes. Ils courent là-bas pour aller voir les calages les soirs, au lieu de penser à l'Afrique. Ce n'est pas le problème. Que le CFA soit truc là, ils sont déjà riches. Vous croyez qu'ils se foutent? Non. Ils ne prennent pas le peuple, les gens, nos chefs d'État là. Vous croyez qu'ils pensent au peuple? Vous croyez que les CGR pensent au peuple? Ils ne pensent pas au peuple. Leur, Donc, c'est ceci. il ne pense pas au peuple. Il pense bien sûr au peuple. Mais on dirait qu'il y Ils a pensent le au peuple. président. Quand le Ghana et le Nigeria leur demandent de se retirer pour que la banque que l'argent de le CFA ne soit plus logé en France, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Pourquoi les pays africains n'en parlent pas? Et il n'y a que le Ghana et le Nigeria qui lèvent la tête, les pays anglophones. Alors, Voilà le professeur, problème. oui, Marcel, on viendra à vous. Je vais écouter quand même la version de professeur concernant la Banque centrale panafricaine. On peut essayer de mettre ça en pratique avec le franc CFA ou bien ECO. Bon, je pense que ECO ou franc CFA, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Nous avons, moi je pense qu'une banque centrale panafricaine doit être une banque qui va essayer de voir loin. Nous devons seulement nous chercher à nous arrimer soit à l'euro ou bien au dollar. Il faut aller au-delà de ça parce que le blanc ne va pas, n'a pas accepté qu'on aide l'écho s'il n'a pas encore trouvé une solution pour nous exploiter, continuer l'exploitation qu'il faisait avec le CFA. Le blanc, c'est comme un margouillard. Lorsqu'il vient te dire qu'il veut se coudre un pantalon, il faut savoir qu'il a déjà trouvé une solution pour sa queue. Alors, moi, je pense que c'est là le cause du franc CFA. Vous savez pourquoi les Canadiens, les Nigériens, sont réticents? C'est parce qu'ils savent que tout ça, là, c'est un changement de nom. Quelque chose que Alassane Ouattara supporte, vous pensez que c'est bon? Quand on c'est pas bon pour la... Je vous dis, si Ouattara avait été contre le coup, je dirais bon, acceptons ça. Si Ouattara est contre, je dis que si une banque panafricaine ne doit rien avoir avec le coup, rien avoir avec le franc CFA, c'est monnaie de la honte pour tout le peuple africain. Il faut trouver des moyens. Et nous en avons les moyens, on en a. La preuve, l'indépendance économique du Ghana et du Nigeria a fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et rien ne va leur arriver. Vous voyez? Mais est-ce que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dépendants. Ils se sont. Professeur, de cela, de là aussi, il faudrait quand même le souligner, le Ghana et le Nigeria également, ils sont sous contrôle de leur pays métropole quand même, hein? Non, quelle métropole? Ils ont plus d'indépendance que les pays français. Nigeria verse 50% de leur budget à l'Angleterre chaque année, comme le pays francophone le vend. Non, ça n'a jamais, ça ne se passe jamais ainsi. Voilà pourquoi ces pays-là sont mieux développés que les nôtres. Voilà pourquoi les gens aiment mieux vivre, bien aller vivre au Nigeria et au Ghana, plutôt qu'au Togo.
ça, c'est très important. Oui, il faudrait aussi le souligner que voilà, le Ghana et le Nigeria, ils ont claqué la porte au franc et la nouvelle monnaie ECO lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO la fois dernière. Bien, Marcel Kodje, maintenant, le compatriote africain parlait aussi concernant pour le troisième, son troisième point, c'est une université panafricaine. Alors, il a fait allusion automatiquement sur le plan éducationnel, savoir comment essayer d'harmoniser ce secteur-là. Et aujourd'hui, la majorité des pays africains, ce sont des pays francophones. Alors, si on aimerait essayer de regorger ce point-là et l'harmoniser pour que l'Afrique ait quand même une université panafricaine, est-ce que ça sera possible sous la manchette de la France? Oui, l'université africaine, ça, je suis, oui, ça, ce sont les tout des intellectuels. Ça, au moins, l'éducation, c'est pour ça, au moins, j'accepte. L'université africaine, là, il aura l'échange entre des pays anglophones, francophones, lusophones. Là, moi, je me rappelais en ce temps, à l'université, il y avait, je crois, ils avaient le village du Bénin, où les Nigériens venaient apprendre le français. Hein? Ceux qui devaient sortir professeurs de tout là de français, ils sont nigériens, ils venaient s'instruire, venaient des stages au Ghana, quand on leur venait à la villa du Bénin, je ne sais pas si et encore ce truc-là est encore au Togo. On peut faire des choses comme ça, parce que nous avons des... Oui, Marcel, de ce côté, nous allons remarquer tout simplement que voilà, il n'y aura plus quand même seul le français qui sera en vogue. Aujourd'hui, il nous faut les deux langues. Aujourd'hui, le français et l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut les deux langues. Il nous faut deux langues, le français et l'anglais, même ici. Moi, je suis dans ce pays anglophone ici. Le français est enseigné. Les petits Zélandais se débrouillent. Déjà, à partir de tout là, à parler le français. Parce qu'ils savent que c'est une langue primordiale. Alors le domaine éducationnel, je tourne vers professeur, vous êtes professeur mieux placé d'ailleurs pour nous répondre à cette question. Le domaine éducationnel ne sera plus contrôlé seul par la France, puisqu'aujourd'hui, en pays francophone, l'Afrique francophone est contrôlée, son éducation est contrôlée par la France aujourd'hui. Maintenant, quand on aura quand même une université, comment est-ce que ça va se dérouler, professeur? Ben, s'il vous plaît, vous m'avez fait rire. Vous parlez d'une université panafricaine et vous me parlez du français et de l'anglais. Est-ce que c'est des langues africaines? C'est des langues africaines. Quand vous dites une université panafricaine, elle doit ne pas avoir pour langue fondamentale d'éducation une langue africaine. C'est comme ça. Vous ne voyez pas que la Chine, les gens sont en train d'apprendre la Chine dans les vous me demandez quelle langue africaine. Nous avons au moins deux ou trois langues sur lesquelles on peut compter pour faire ce travail-là, pour être utilisé comme langue de toute l'Afrique. Le Swahili, donc tu peux dire le Swahili. Mais bien sûr, ça c'est un exemple qui est déjà là. C'est un exemple qui est là. Et nous, les autres qui ne parlons pas le Swahili, on va l'apprendre et nous allons l'utiliser comme la langue de notre continent. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais prétendre donner une éducation africaine pure à nos enfants si on donne cette éducation-là dans les langues qu'on nous a imposées. Parce que c'est quand vous parlez une langue, comme le disait Franz Fanon, il dit « parler une langue, c'est transporter ». L'héritage culturel et civilisationnel de cette langue-là. C'est le fardeau que une langue vous charge. C'est l'héritage culturel, civilisationnel et, je ne sais pas comment l'appelle-t-on, culturel, civilisationnel et tout ce que cela comporte. Alors, si nous voulons vraiment avoir une université panafricaine qui veut, n'est-ce pas, inculquer l'idéologie africaine, la cosmologie africaine à nos enfants, il faut que cela soit transmis dans une langue africaine. Parce que c'est la langue qui, n'est-ce pas, véhicule tout ça là.
Maintenant, si on veut le faire et on le fait en français, il y a des choses qui disparaissent dans la traduction. Et ce n'est pas bon. En anglais, il y a des choses qui disparaissent dans le processus de fomenter cela dans d'autres langues. C'est pourquoi, pour moi, si nous avons besoin d'une université panafricaine, nécessairement chercher une langue qui va servir de langue intermédiaire pour tous les États africains, afin que nous puissions clairement, sans problème, n'est-ce pas, transmettre le message que nous voulons transmettre à nos enfants. Ça, soyez-en sûr, et pour ça, professeur, oui. Professeur, quand nous consommons... Alors, merci. Marcel, c'est un instant. Oui. Il faudrait qu'on essaie quand même. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et on reviendra tout de suite pour la seconde partie. Alors, mesdames et messieurs, une petite pause pour ce qui concerne la suite de cette émission. Nous allons essayer de prendre au moins deux pots de gorge et puis on revient tout de suite. À tout à l'heure. Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie, bien sûr, de ce troisième numéro, Lumière internationale. Nous parlons concrètement concernant l'Union africaine. Les États-Unis d'Afrique, est-il possible avant la fin du 21e siècle? Telle est la grande question que nous sommes en train de débattre sur ce plateau. Une fois encore, merci d'être branché et patienté sur Tempo Afrique TV. Pour nous suivre, nous sommes en seconde partie. Alors, nous étions en train de décortiquer le point d'une université panafricaine. Alors, Marcel Kodi, vous avez la parole concernant ce qui concerne la promotion de cette université panafricaine. Le professeur parlait tout simplement concernant une langue d'origine. Il va falloir que les langues d'origine soient quand même éducationnelles dans le secteur de l'éducation panafricaine. Qu'en pensez-vous? Oui, mais c'est bien ce que le professeur a dit, la langue africaine. Mais vous ne voyez pas que nous devons repartir, comme dirait quelqu'un d'autre, 100 ans quoi en arrière? Quand nos ordinateurs sont écrits en anglais, nos portables, nos ordinateurs que nous consommons sont écrits encore en français. Vous allez nous dire, quand nos livres sont encore édités en France, donc il faut prendre 100 ans pour apprendre. Moi, qui est togolais, je ne connais, je sais même pas comment parler le swahili. Il faut combien d'années qu'on m'apprenne à apprendre le swahili avant que je l'ai transcrit sur un papier? Il faut reprendre zéro. Non, mais le français aussi, c'est de la même manière qu'on nous apprenait. Ça fait combien d'années nous parlons le français et l'anglais? Ça fait combien d'années nous parlons? S'il faut reprendre cette langue dans le swahili ou bien une langue africaine, quelle est cette langue qu'on doit nous imposer? Moi, je vais parler du swahili, ça c'est de l'Afrique centrale. Marcel, il faut savoir aujourd'hui, il y a également les cours d'alphabétisation qui se diffusent un peu partout. Ceux qui sont âgés, ils suivent également des cours. Hein, donc, ça peut être assimilable. Oui, je ne le fixe pas. Nos langues, de telle façon, nous, en autant, nous avons appris le levé à l'école. Je ne sais pas s'ils ont encore ça levé. Après tout, finalement, à cause de la politique, on nous a amené le cabiet, on nous a forcé à apprendre. Bon, ça, je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui dans nos écoles. Mais c'est ça, tu sais que le problème c'est que pour moi, il faut
l'Afrique est obligée de se retarder encore pour au moins 100 ans avant de reprendre à zéro. Pourquoi 100 ans, Marcel? Pourquoi 100 ans? Mais quand vous voulez apprendre cette langue et avant de commencer à écrire vos livres, à mettre une éducation jusqu'à aller à l'université, vous n'avez pas que vous aurez à passer au moins 20 ans avant de commencer à écrire cette langue, à le formuler. C'est ça aussi le problème. Avions-nous déjà, nous allons écrire un dictionnaire. Avions-nous déjà un dictionnaire de cette langue? Non, il y a aussi les experts en académie qui sont là, qui peuvent essayer ça ne peut pas marcher parce que du moment, les Marocains, les Arabes, les Tunisiens vont nous dire que nous, eux, veulent apprendre l'arabe. Les Centrafricains vont nous dire, les Sud-Africains vont nous dire, comment ils appellent là, les Sud-Africains, ils ont un truc là, ils appellent là. Le Zulu. Merci. Professeur, maintenant, est-ce que la grande question qui s'est posée à l'apprentissage de nos langues d'origine, est-ce que la France et l'Angleterre, les États-Unis, qui sont les pays métropoles de nos pays africains aujourd'hui, est-ce qu'ils vont nous laisser la main libre d'y aller comme ça et laisser leur langue apprendre maintenant notre langue? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est eux qui ont créé les Africains? Mais s'il vous plaît. Pourquoi on n'a pas besoin de leur permission, de leur autorisation de faire ce que nous voulons? Vos diplômes ne sont pas reconnus par le CAMES, c'est ça? Je m'en moque. J'arrive. Je vais répondre à la question, à l'inquiétude de Marcel, en même temps à votre question. Je vais vous dire que l'ECO dont vous parlez, l'Union européenne dont vous parlez, les bases de l'Union européenne ont été jetées il y a déjà 50 ans avant que cela ne se réalise. Alors, Marcel a parlé comme si quand on parle d'une université africaine, on veut que ça soit créé aujourd'hui et en même temps que ça fonctionne. Non! Tout le travail que nous faisons ici, on ne le fait pas pour nous, nous le faisons pour nos progénitures. C'est ce que nos aînés, nos prédécesseurs ont fait et pour que l'Afrique soit encore à la traîne. Parce qu'ils pensent que ça va prendre 20 ans. S'ils avaient fait ça, s'ils avaient créé cette université-là, dans les années 60, comme les gens avaient voulu, on serait déjà 60 ans et les gens seraient déjà formés. Nous, comme ça, on serait en train de parler de Swahili, par exemple. Mais on l'a pas fait. Donc il y a toujours un temps pour commencer quelque chose. Moi, je dis que même si nous, on ne peut pas retourner apprendre ces langues-là, nos enfants qui vont venir doivent, n'est-ce pas nécessairement, le faire. Et progressivement, les Africains, vous le savez, vous avez appris qu'un Togolais a mis sur pied un ordinateur où oui. les gens payent. Nous en avons des talents, on en a. Oui professeur, il y a un internaute qui nous dit, en l'occurrence, Madame Sidjouan Magenta, qui nous dit il faut d'abord sortir du système des blancs, remettre le compteur à zéro, c'est ça la vérité. Alors, il rejoint pratiquement vos propos. Alors, est-ce que ça pourrait être... Absolument. Mais c'est le bon sens. L'Africain doit nécessairement se dire que il doit sortir de l'aliénation dans laquelle le blanc l'a plongé. Nous avons commencé par dormir, ça fait 60 ans, ou bien au-delà, 200 ans, je vais dire. Il faut sortir de là. Il ne faut même plus regarder le visage du blanc. Il ne faut pas savoir, il faut dire au blanc, soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu, c'est-à-dire l'Afrique va se désaliéner. Elle va s'émanciper et nous allons faire. Nous en avons les moyens. Moi, je pense qu'il ne faut plus tenir des langages de soumis aux blancs. Ils nous ont fait trop du mal. C'est trop. Il faut leur dire que nous pouvons nous prendre en charge. Et on doit le faire ensemble. Et on peut le faire. Parce qu'ils ont créé des systèmes pour vraiment nous rendre dépendants. Et il faut sortir de cette dépendance-là. Ce n'est pas congénital. Ce n'est pas inné. Il faut savoir quitter cette dépendance. Et moi, je pense que l'Afrique peut le faire. Alors, merci, professeur. L'Afrique peut le faire, effectivement. Nous ne sommes pas quand même des tarés en Afrique.
nous sommes quand même des hommes intelligents. L'Afrique peut le faire. Alors, Marcel Codier, une cour constitutionnelle panafricaine juridique qui sera bel et bien indépendante. On parle, on fait allusion directement concernant les magistrats, les procureurs, les avocats, les huissiers. Alors, cour constitutionnelle panafricaine, qu'en pensez-vous? Oui, moi je vais dans ce sens. Oui, je suis. Moi je suis preneur pour cette cour constitutionnelle africaine. Parce que là, il faut que les lois soient, la loi soit une loi unique. Et il faut sauter les barrières de ces chefs d'État ou bien des pays, des barrières frontalières, les histoires de l'Afrique, le Togo, les histoires. Il faut que l'Afrique soit unie. Et comme nous le savons, les histoires que le Bénin, les histoires là, nous sommes divisés en combien? 53 pays. Il faut qu'on saute toutes ces barrières. Qu'on ait un seul chef d'État. Voilà le problème. Là, on peut aller sur cette concession. Mais si on a encore ces pays-là, dit que oui, ici c'est le Togo, le pays, c'est des pays indépendants, c'est le Ghana, il est indépendant, le Togo est indépendant, donc la Cour constitutionnelle ne peut pas être au-delà de cette Cour constitutionnelle, qu'on va nous, encore nous dire, il faut qu'on saute ces barrières de ces chefs d'État-là, les chefs d'État africains-là, hein, ce syndicat-là, ce syndicat-là. Il faut qu'on saute ce syndicat. Là, il y a un chef d'État unique, il y a une constitution unique, tout le monde. Ils n'auront pas encore les élections truquées. Ils n'ont pas encore les militaires qui vont aller transporter les armes pourrir. Est-ce qu'il faut interdire la conscience? Oui. Nous serons, nous tous. Vous croyez que ce serait possible facilement comme ça? Aujourd'hui, les justices des pays africains sont quand même des pays africains plutôt, sont quand même des justices qui sont un peu corrompus. La majorité des magistrats aujourd'hui sont corrompus. Malgré que le président. Des pays. Non, il doit avoir toujours. Dans toute l'agglomération, il y a des corrompus, on ne refuse pas. Mais on doit mettre fin à ces histoires-là, surtout notre justice africaine togolaise. On doit mettre fin à ces histoires. Moi, j'ai sauté de rire hier, comme il disait que. Comment vous avez. L'Afrique plus quelque chose là de. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça là. Il y a des trucs qu'on crée, des slogans, des trucs là, des sigles, matin, midi, soir. Moi, je n'en sors même plus. Ils ont transmis le truc de détournement de ceux qui ont détourné l'argent de. On envoie ça au procureur. Mais j'ai dit quel procureur? Un procureur qui n'est pas autonome, qui est incapable, qui ne peut pas se saisir. Qui est lui-même mouillé déjà? Qui ne peut pas se saisir? Un vendeur de terrain. Qui est impliqué des affaires de tout. Donc voilà, c'est ça, ce sont de nos magistrats. Tous ces magistrats, ils doivent les réformer. Il faut une nouvelle magistrature. Il faut comprendre que quand tu es magistrat, tu es bien payé, il faut lire le droit. Il ne faut pas lire le business, les affaires, le poste. Beaucoup sont là-bas, ils veulent devenir ministre. Ils sont là-bas, ils veulent devenir, oui. D'accord, c'est cette justice-là que vous voulez qu'on implique à la justice continentale, c'est impossible. Non, ce n'est pas elle. Merci. Alors, professeur, vous avez quand même la question maintenant. Une cour constitutionnelle panafricaine et juridique indépendante, est-ce que sera possible? Oui, mais bien sûr, du moment où nous décidons de mettre sur pied les États-Unis d'Afrique, c'est qu'on aura besoin de ces institutions-là qui pourront faire marcher cette union. Donc ça, c'est une obligation. Si nous avons des États-Unis d'Afrique, on aura une armée africaine, on aura une cour constitutionnelle africaine. Ça, il va s'en dire. Ça n'a même pas besoin de se chercher. Et là, sur le plan continental, on ne va pas ramasser n'importe qui parce qu'il a promis au timonier national que quel que soit les crimes, ou bien il a promis au timonier que si quelqu'un sort pour marcher contre toi, je vais le mettre en prison pendant des mois ou des années. Donc il est là. Marseille, il ne faut pas réduire toute cette discussion à l'expérience du Togo. Si on le fait, on sera découragé. Il ne faut pas faire ça. Nous parlons, nous avons une vision panafricaine. Nous avons une vision pour toute l'Afrique. Et je te dis qu'il y a, des compétences honnêtes en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya.
c'est la Cour suprême qui a dit au président sortant que il n'avait pas gagné les élections, il fallait reprendre les élections, malgré l'argent qu'on leur a distribué, ils ont refusé. Ça, c'est un exemple. Souvent, il faut qu'on parle un peu de bons exemples aussi, pour pouvoir amener les gens à croire que non, l'Afrique peut faire. Et on gagne à côté. La justice est indépendante. Il y a bon nombre de pays. Donc, si on prend le pays Togo comme modèle, on est toujours découragé. Parce que là, c'est l'anti-modèle. Il ne faut pas prendre ça. Il n'y a pas d'institution de plus corrompue que la justice togolaise. Vous ne pouvez pas donner cet exemple-là, ce n'est pas bien. Il n'y a pas d'institution en Afrique aujourd'hui qui est plus corrompue que la justice togolaise. Où on amène un jeune, on va le ramasser dans sa maison avec son stocco, il va se laver, on le prend, on le transforme en manifestant, on le condamne à 12 mois de prison. Ça, c'est la justice, hein? Vous pouvez même pas parler. Moi, je n'en veux plus. J'avais parlé, je suis fatigué. Moi, je ne veux plus parler. Non, professeur, il ne faut pas qu'on mélange un peu le truc. Là, mais je vais mélanger. Donc, c'est pour dire que. Oui. Le Togo, c'est un cas, c'est un pays spécial. C'est pour vous dire à quel point il ne faut pas faire cette comparaison. C'est tout. C'est pourquoi je suis allé vraiment dans les détails. Oui. C'est bien vrai, on va essayer. Merci. Marcel, bon, maintenant, évitant la corruption, est-ce que ce serait possible ici qu'on évite la corruption en Afrique? Et catégoriquement, vous venez de parler tout de suite que voilà, dans tout pays, il y a la corruption. Mais le dosage de la corruption ne semble-t-il pas être à une hauteur considérable qu'on ne peut pas quand même avoir au moins cette Cour constitutionnelle? Non, la corruption, on peut freiner cette corruption à condition que nos législateurs, ceux qui vont faire tout là, qu'ils soient des gens clairvoyants. Et si je donne souvent l'exemple du Togo, bon, je peux donner l'exemple de la CEDEAO tout récemment, où les législateurs de la CEDEAO étaient réunis. Il y a que ce sont les pays francophones qui ont noyé l'opposition togolaise. Il n'y a que les lusophones qui ont soutenu l'opposition. Sinon, on aurait fini cette affaire de tout là. La feuille de route, vous ne le voyez pas? Le jour où là, tous ces députés-là allaient voter front de résolution pour qu'on en finisse. Mais aujourd'hui, quand c'est l'affaire de Guinée-Bissau, tous on est à Niamey. Vous n'arrivez pas à régler le problème togolais. Je prends l'exemple. Nos législateurs qui sont partis, on dit de quoi, ils appellent quoi, de quoi, la Cour africaine, quelque chose là, ils étaient partis la fois dernière. Ils allaient voter, prendre une résolution le jour-là. Parce qu'ils ont été tous corrompus. Mm-hmm. Les gens sont là comme ça, vous voyez. Mais ils sont corrompus. Les députés sont corrompus. Ils ont reçu de l'argent. À voir le alors, maintenant, ce serait plus difficile alors d'avoir quand même cette Cour constitutionnelle si aujourd'hui nous avons quand même ces petits problèmes là qui demeurent. Et maintenant, étant donné que voilà la clé cette union d'États-Unis d'Afrique est trouvée, mais comment ouvrir la porte et mettre ça en pratique, c'est ça qui sera quand même la grande question. Oui, mais pas avec cette vieille garde là. Ça, c'est peut-être comme le dit le professeur, peut-être nos enfants qui vont venir, nos enfants de 10 ans maintenant qui ont une autre culture. Qui ont une culture. Déjà, nos enfants, même au pays, quand tu l'envoies, tu lui donnes 100 francs d'aller t'acheter quelque chose, il jette 25 francs et dit qu'il a perdu l'argent, l'histoire, qu'ils ont appris déjà à faire les petits jeux. Quand ces gens seront des magistrats, putain, c'est l'éducation. C'est l'éducation, ça aussi. Alors, quand les parents, même nous surfacturons les trucs là, hein? Oui. Les projets, nous détenons les projets à nos profits. L'enfant voit. Ah, où est-ce que papa a ramassé ces histoires? Dit, ah, il a pris ça du service. L'enfant sait que papa ne doit pas mener le service à la maison. Hein? Voilà, c'est ça. Demain, cet enfant, si les magistrats disent, ah, mon père, quand il était, tout là, il ramenait toutes les histoires du bureau, mais les bics du bureau. Comment tu peux voir ça? Quand les gens s'en prennent aux Européens, aux Guillaume Blanc, moi, je dis, quand Blanc n'ira pas dans son bureau, ramener ses histoires à la maison. Parce qu'il en a, il voit que ça, c'est un matériel de bureau. C'est même pas un matériel de la maison. Les gens n'ont tellement qu'ils ramassent tout. Ils l'amènent à la maison.
Alors, maintenant, bouclons cette rubrique. Alors, ça a trait automatiquement à la Cour pénale panafricaine, donc pas légalement, le compatriote africain. Il estime que voilà, on doit avoir également une Cour pénale panafricaine. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui se trouve à La Haye aujourd'hui, qui pénalise Laurent Gbagbo aujourd'hui, mais néanmoins, étant donné qu'on va essayer de revenir quand même sur ce point focalisé, la Cour pénale internationale en Afrique aujourd'hui, il reste à savoir, tel qu'on vient de citer maintenant les paramètres pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle panafricaine. Alors, maintenant, touchons le dernier point. Il a touché le Congrès mondial panafricain. C'est-à-dire, nous avons des Africains en Europe aujourd'hui, en Haïti et dans d'autres pays européens aujourd'hui. Mais ici sont quand même ces pays-là, ces Noirs-là, ils sont d'origine africaine. Et maintenant, le Congrès touche un Congrès mondial panafricain qui réunira quand même tous ces Africains-là dans un sommet et discuter du profil des États-Unis d'Afrique. Qu'en pensez-vous exactement, professeur? Le Congrès mondial panafricain, je pense que je peux dire que parce que selon moi, on devrait l'avoir bien longtemps, puisque l'Afrique est un continent dont les fils se trouvent à travers, il y en a qui par force, qui par volonté ou qui par pas besoin économique, se sont retrouvés partout, éparpillés. Et je pense que si on peut trouver, c'est pas un moyen par lequel on peut recueillir, n'est-ce pas, les compétences de ces gens-là pour jeter les bases, d'une Afrique unie, moi je pense que c'est une bonne chose. Quel que soit le cas, nous avons besoin des compétences de nos frères qui sont partis de l'Afrique, pas par leur volonté, mais par la force des choses. Je parle de la traite des nègres et autres. Et donc, toutes ces compétences-là, si on peut les regrouper quelque part, moi, je pense qu'on pourra faire un bon départ. Et donc, qui va jeter les bases de l'Afrique unie, ce sera bienvenu, parce que nous en avons besoin. Il faut quand même partir de quelque part. Et il faut pouvoir culturellement, il faut pouvoir économiquement, politiquement, rassembler les gens qui pourront, n'est-ce pas, nous permettre de décoller sans regarder derrière. C'est ça, c'est très important. Oui. D'accord. Alors, Marcel Cody, alors, un congrès mondial panafricain, est-ce que ce serait possible aujourd'hui, les Noirs qui résident en Europe aujourd'hui, les Noirs qui résident en Amérique aujourd'hui, on les considère comme les Américains déjà, et maintenant, un congrès panafricain mondial, est-ce que ce serait possible? Ce sont les Noirs là, mais ils se considèrent comme des Américains. Comme les Noirs américains, les Haïtiens, les Martiniquais, quand tu les fréquentes, ils se croient qu'ils sont au-dessus de la mêlée, qu'ils sont plus blancs que nous, les Africains. Retour au bécage, il doit falloir qu'on les cuit que ce n'est pas votre terre. Vous êtes déplacés, vos parents, revenez au pays, revenez sur votre terrain. Vous n'avez pas vu la mentalité des Haïtiens qui se passent au-dessus de l'Amérique. Ils pensent qu'ils sont plus Haïtiens ou Américains que nous, les Africains. Quand vous êtes même dans un service, vous voyez, ils préfèrent fréquenter le blanc que le noir. Cette mentalité-là qu'on doit leur enlever. Ils croient qu'ils sont plus blancs ou bien ils ont eu les avantages d'aller à l'école plus que nous. Non, c'est faux. Nous avons les mêmes trucs d'intelligence. Mais qu'ils reviennent. Et je crois savoir mais que ça a déjà commencé au Bénin. Le temps de Soglo, j'ai vu les Haïtiens, les Américains, je crois que chaque année, ils viennent voir le truc vaudou dont on a parlé. Ils ont un truc là, une culture vaudou, quelque chose qu'ils font là, chaque année, qu'ils ont instauré. Ils reviennent.
C'est des choses comme ça qu'on doit commencer à l'inculquer, que voilà comment on célébrait, comment est-ce qu'on faisait le culte africain chez vous avant qu'on... Parce qu'aujourd'hui, on nous a... Bon, j'aurais appris qu'en Haïti, on fait le vaudou comme chez nous. Mais qu'ils reviennent. Le blanc ne fait pas le vaudou. N'est pas vaudou. Professeur, maintenant, Marcel, quand il parle du retour au Berkay, de ces Noirs qui résident bien sûr aux États-Unis et un peu partout dans les pays européens. Est-ce que ce serait possible? Ou allons-nous leur trouver quand même une parcelle qui demeurera quand même leur pays? Je vais d'abord demander à Marcel de retourner au Berkay avant de demander aux autres de retourner. Dans non, quel Berkay? Quel Berkay? Ah ben, s'il vous plaît. La charité vient de donner commence par soi-même. Si le Berkay était vraiment Berkay, est-ce que toi tu allais être ici en train de parler? Parce que nous voulons nous. Les États-Unis d'Afrique seraient possibles, ça. Oui, même si les États-Unis d'Afrique sont possibles, on ne va pas obliger les gens à retourner, mais ils peuvent contribuer partout où ils seront. On n'a pas envie d'être nécessairement en Afrique. Tout le monde ne pourra pas être là-bas. À préciser qu'il va falloir leur trouver quand même une parcelle, au moins une terre qui sera quand même leur... Nous avons encore des terres. Nous avons les terres. Nos terres sont... Il y en a. Mais seulement je dis qu'il ne faut pas en faire une obligation. Si quelqu'un veut y aller, on peut l'aider à le faire. Mais c'est pour vous dire que les opportunités, si on arrive à les créer, pour que nous, quoi qui sommes ici, soyons là-bas aussi avec les autres frères qu'on invite, d'accord? Mais si nous, on voit que on peut encore rester ici parce qu'il n'y a pas d'opportunité et forcer les autres à y aller, c'est là où je dis non, il faut commencer par soi-même, ce retour-là. Maintenant, de toute façon, l'Afrique est vaste, hein? Il y a des terres partout. Si toute la diaspora africaine décide de retourner au Berkay, nous allons leur trouver de là où il faut rester. Il faut d'abord, c'est pas avoir de quoi faire vivre tout le monde décemment, c'est tout. Et c'est ça qui est important. Donc si cette union-là nous a porté cela, on n'aura même pas besoin d'éviter les gens. C'est les gens qui vont eux-mêmes décider d'y aller. Quand on a voyagé en Europe ou en Amérique, est-ce que quelqu'un... C'est nous tous, on n'a pas été obligés. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Il y en a qui étaient obligés de partir, vous voyez. Donc, si les conditions de vie deviennent meilleures en Afrique, moi, je vois que même les Blancs vont vous bousculer là-bas en Afrique pour aller vivre. Ils vont se bousculer pour aller vivre là-bas. Merci, professeur. Alors, Marcel, nous sommes pratiquement à la fin de ce troisième numéro, Lumière internationale. Et maintenant, d'après tous les points qu'on vient de discuter tout de suite là, quels seraient vos points à l'égard des Africains d'abord et à l'égard des leaders africains? Non, moi je pense qu'il faut commencer déjà à penser à ça, à une conférence internationale pour pouvoir passer à ces histoires-là, parce qu'il ne faut pas parler au bout des lèvres seulement. Nous devons le mettre sur papier déjà pour commencer à faire des colloques et que, qui sont les gens qui peuvent le faire? Peut-être ce sont nos intellectuels, nos défenseurs, nos chefs d'État qui peuvent comprendre que maintenant il faut que quand nous puissions travailler pour faire une Afrique et un truc africain, comme l'éducation africaine, l'agriculture africaine et toute la constitution africaine, il faut qu'ils comprennent. Je pense que, comme nous l'avons dit, nous ne le faisons pas. Il faut poser la base, il faut écrire, comme nous parlons toujours de l'étude des Nations Unies. Ça a été écrit, le professeur a dit, plus de 50 ans. On a écrit, de fil à aiguille, on a toujours attissé, et aujourd'hui c'est devenu l'ONU. Donc c'est comme ça aussi, nous allons commencer aussi à le créer, en faisant encore. Je pense que c'est dans ce sens que nous tous, nous pouvons aller à apporter nos idées. Merci Marcel. Alors professeur, votre conclusion? Ouais, pour conclure, moi je vais souhaiter que les présidents qui sont aujourd'hui obstacles, n'est-ce pas, à cette réalisation, à la réalisation des États-Unis d'Afrique, doivent, n'est-ce pas, céder leur place à ceux-là qui vont venir faciliter. Et donc, nous avons des présidents sur le plan, c'est pas régional, par exemple, l'exemple de la CEDEAO. Les Ouattara sont là en train de créer tous les problèmes du monde pour pouvoir
les Africains à continuer par être restés dans une qui ne nous faut pas. Donc, je demande à la jeunesse africaine de ne plus accepter comme président des gens qui sont perçus comme obstacles, n'est-ce pas, à l'unification de l'Afrique. C'est tout. Et on les connaît. Des gens qui sont tellement des laquais des Français, vous les connaissez quand vous les voyez. Merci, merci professeur. Alors, il va falloir que l'Afrique soit conscientisée à travers quand même ses compatriotes. Merci, mesdames et messieurs téléspectateurs, vous qui êtes branchés sur vos postes téléviseurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Nous remercions déjà également le réalisateur Malick Sall de l'autre côté qui est en train d'assumer la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci également à professeur Issifou Moussa. Je vous rappelle qu'il est professeur maître conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Merci également à Marcel Cody. Il est membre de l'Amnesty International, activiste professionnel et qui se retrouve en Irlande. Fin de cette émission, je me nomme tout simplement Gabriel Adonan. Nous vous retrouvons le vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci. Je résume.